Quelle belle fin de semaine, les frères! Quelle belle fin de semaine, la semaine dernière! Et ce n'est que le début, ce n'est que le début, ce n'est que le début, ce n'est que le début! Nouvelle semaine et de nouveaux obstacles à franchir. Est-ce que je vais tenir le rythme? Je sais que des éléments peuvent surgir à tout moment, mais je sais aussi que ils vont me permettre d'être plus fort. Je n'ai pas le choix de tenir. Le poker, c'est ma vie. C'est ma passion. Et ils ne peuvent rien faire contre ça. Et je vous laisse entrer dans ma vie, dans ce nouvel épisode de Mind No Life. J'étais à un rendez-vous à ma... Je suis allé à un rendez-vous pour ma voiture, là, ce matin. Et ça... Je sais pas, ça va toujours pas, donc ça me casse les couilles. 15 000 rendez-vous pour que ça aille toujours pas comme je veux. Ça me saoule quand ça se passe comme ça, vraiment. En plus, ce mois-ci, c'est vraiment un mois de merde sur les tables. Moi où je suis tout le temps devant, mais je finis tout le temps derrière. Moi où les seuls tournois que je performe, c'est les plus petits. Heureusement que ce mois est bientôt fini. De toute façon, on n'oublie pas notre objectif. L'objectif, c'est de vivre pendant un an comme un joueur professionnel, donc ça veut dire... Faire les compétitions, grind le point FR, travailler très dur. C'est dur, il n'y a rien qui va. Je suis poursuivi par la no chat vraiment. J'ai pas le choix. Let's go hein. L'adversité rend les forts plus forts et les faibles plus faibles. La compétition est formidable. Ça forge le caractère. Et ça développe le courage de ne pas abandonner. Comme je le disais plus tôt, face à la moindre difficulté, je veux dire, aujourd'hui les gens sont... Tout le monde pense qu'on leur doit quelque chose. Aujourd'hui, plus personne ne veut travailler. Parce que tu dois être un champion avant de devenir champion, à travers ton style de vie. Après ça, c'est juste une question de temps. Tu dois être champion avant de le devenir. Tu trouves le champion, et tu regardes le champion. C'est comme ça que ça commence. Tu regardes quelqu'un et tu penses, je veux être comme lui. Tu ne vas pas dire, hey, je suis un putain de dur à cuire. Je veux me battre avec tout le monde, personne ne peut me battre. Non, tu regardes quelqu'un et tu dis, hey, c'est ça que je veux faire. Mon équipe, petit changement de programme. J'avais oublié que j'avais un rendez-vous avec White aujourd'hui. Dites pas, hein. Ça reste entre nous, voyons, ça reste entre nous. Bref, donc du coup, il y aura peut-être pas de stream gaming, ça dépend de combien de temps dure notre rendez-vous. Qu'il en soit, il y a quand même muscu. Ouais, je sais, c'est chiant. Du coup, il y a quand même muscu, quand même étirement, la douche, bien sûr. Après, on mange, on fait notre rendez-vous. Et si ça finit pas trop tard, bah, je lancerai un petit stream gaming. Ensuite, je pense que demain, il y a de grandes chances que je joue. Que samedi, je prenne un jour de pause. Avant le prochain mois, je pense. Je pense que je vais faire comme ça. Ça dépend de comment je me sens vendredi. On verra selon comment on se sent. Si on est prêt à grind les tables du point FR. Allez, let's go pour la muscu. Hein. Pas trop le choix de toute façon. Petit débrief de fin de semaine quand même parce que j'aurais pas été trop en stream cette fin de semaine comme je l'aurais souhaité. C'est avéré que j'ai préféré travailler sur les différents projets que j'ai aussi à côté de cette série. C'est vrai que je pense que le seul point négatif de la série pour moi, c'est que j'ai du mal à travailler sur les autres projets, du coup je délaisse un peu mes collègues dessus. C'est comme ça, j'ai fait ce choix-là au début de saison. Mais bon, là j'ai pu bien rattraper ça. J'ai passé plusieurs nuits dessus et franchement c'est pas mal. C'est pas mal par exemple quand on regarde nos résultats crypto de cette semaine. On a fait un plus 150 pêches, tranquillou. La bourse, ça s'est bien passé aussi, donc voilà. J'ai un projet de site internet
qui est revenu du coup au goût du jour parce que je l'avais mis un peu de côté. Et finalement, j'ai décidé que je pouvais tout faire en même temps. Il faut juste que j'arrive à mieux gérer, à mieux travailler. Et donc du coup, voilà, on est dimanche et là, c'est minuit. Donc on est même lundi maintenant. C'est lundi. Et on a enfin fini cette semaine. Donc on s'est un peu éloigné des tables tout simplement parce que j'avais pas l'impression que je pouvais changer quelque chose sur les résultats de ce mois-ci. On va reprendre ça sérieusement dès la semaine prochaine avec plus de travail, plus de sérieux, encore plus d'envie. Et je pense qu'il faut rajouter encore plus de la rage de vaincre. Hein. On est parti pour une nouvelle semaine. Let's go! C'était quand la dernière fois que tu t'es levé en réalisant qu'aujourd'hui pouvait être le plus beau jour de ta vie? Demain n'existe pas. Alors si le plus beau jour de ta vie, ce n'est pas aujourd'hui, c'est quand? Notre temps est limité. Alors ne le gaspille pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne sais jamais quand c'est la dernière fois, parce que c'est toujours la dernière fois. Et c'est toujours la première fois. Chaque moment est unique. Chaque moment naît et meurt dans ce moment. Un jour, il n'y aura plus de prochaine fois. Pas de temps mort. Et pas de seconde chance. C'est tout le temps maintenant ou jamais. Chaque instant de la vie est précieux. Même ceux que tu n'aimes pas. Car un jour, il y aura une dernière fois. Une dernière conversation. Une dernière promenade. Un dernier sourire. Une dernière larme. Et ouais, du coup, je voulais te voir, moi, c'était pour le projet, là. J'étais chaud de le relancer, quand même, parce que... En vrai, ça... Je suis sûr que c'est une très bonne idée. Je suis sûr que ça peut ramener beaucoup de cash, et en plus, répondre à un vrai besoin. Parce que... En plus, là, j'ai eu l'occasion de jouer un peu en ranked... Si jamais t'en as besoin. Après, je t'ai mis, j'ai mis d'autres discussions. Si t'as pas les accès, tu me demandes. Ok, ben moi ça me va. Écoute, je vais te foutre la paix avec ça. Et puis, ben, je te souhaite une bonne soirée, du coup, chez toi. Ben, bon courage. Bon courage, mon petit gars. Puis on se redit, du coup, pour les prochains trucs. Les prochains rendez-vous, on valide le jour, l'heure et tout. Et puis voilà quoi. D'ailleurs, je crois que vous pouvez gagner seulement grâce aux choses intangibles, comme l'émotion, l'énergie, la passion. Vous devez trouver tout. Le soleil se lève. Et je dors toujours pas, putain. Faut que j'arrête de déconner. Non, en vrai, j'ai bossé. C'était du boulot. Mais bon. Là, si je vais être au tennis demain... Non, il y a des gens qui se lèvent. Oh putain, il y a des gens qui se lèvent et moi je suis pas encore couché, bordel. Oh mon dieu. Bref, c'était pour le taf. Et demain, le tennis va être dur, bordel. Bah, vous savez quoi, hein, on plonge direct. Le tennis, c'est maintenant. On est là, hein. Tout va bien. Et regardez qui voilà. Regardez qui voilà. Luisito de San Suarez. Qu'est-ce qu'il dit, mon gros? Ça, Eugène. Tu vas bien, BG? La forme. Tranquille, tranquille. Voilà, hein. Couché à 7h. On est quand même là. Faut faire la troisième séance de sport de la semaine. Let's go. Bon, je me suis motivé, je suis allé faire les courses aujourd'hui. Yes! Yes! Bref, je
vais pas vous faire le topo de mes courses, mais... Ouh, c'était bien chiant. Bien chiant, je déteste ça, bordel.